J'ai toujours fait des films à la fois engagés ou des films d'auteur tout simplement et des comédies. J'ai toujours navigué comme ça dans différents univers et d'ailleurs j'y tiens beaucoup parce que ça fait partie du plaisir d'actrice que d'avoir des rôles dans des univers différents. Pour moi, je pense que j'incarne, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, une forme de convergence. Et la question écologique, pour l'instant, elle est encore séparée de ces questions-là, alors qu'au fond, pour moi, il est question de la même chose, il est question du respect du vivant sous toutes ses formes, du point de vue évidemment écologique, mais du point de vue également sociologique, politique. Et je pense que dans tous les films qu'on va voir, il y aura... Enfin, je ne sais pas ce que je vais voir en tant que jurée, mais j'imagine qu'il y aura certains films qui vont s'emparer de plusieurs de ces questions-là à travers le prisme de l'écologie. Je crois que chez les femmes et chez les hommes féministes aujourd'hui, la question de l'inclusion, c'est-à-dire la capacité à intégrer dans une façon de penser et dans des combats, l'inclusion d'autres luttes, la convergence et l'intersectionnalité commencent à infiltrer les esprits et je pense qu'on ne peut gagner qu'ensemble. Je ne crois pas qu'on peut mener uniquement des luttes de chapelle. On peut rester focalisé sur certaines luttes, mais il est indispensable de faire front de la plus belle façon.